la fasses. Parce que c'est pas grave si tu perds une vie. Bah non, tu as vu. Donc, on va mettre des vies. Voilà. Pour que les enfants puissent venir jouer avec. Et là, ce qu'il y a de bien, c'est que il y a plein de. Il y a plein de poussière. Donc, du coup, je vais bien appuyer dessus, je vais faire un rond pour comme ça, si. Si ouais, avec ton bras, tu fais un rond autour voilà. De la bille. Si, le, si bah, la bille, elle se déplace, forcément, on verra. Ah, là, j'en connais du royaume pour attirer les enfants. C'est vrai que c'est pas une bonne idée de chanter. C'est pas une mauvaise idée de chanter. Je me suis trompée. J'ai posé des billes. Déplacez-les, s'il vous plaît. Je sais tout qui craque. C'est mes chaussures. Si vous aimiez jouer aux billes, parce que je pense que ça jouait beaucoup à cette époque, les billes. Oui. Jouez avec, on vous en voudra pas, vous avez le droit. Elles sont pour vous. Tu réponds sec ce soir à mamie. Ah bon? Je crois que c'est vrai. Tu trouves aussi? Essayez de déplacer les billes. Si vous les trouvez jolies et que vous les déplacez, je les laisserai ici pour que vous puissiez jouer avec. C'était quoi ça? T'as entendu? Ouais, ban. J'ai entendu, mais je sais pas ce que c'est. Jean? Jean? Oh punaise! Oh, punaise. Oh. Tu fais attention, il y a une bille. D'accord. Ah, justement. En fait, j'ai pensé que tu n'avais pas la batterie. Parce que tu n'avais pas la batterie de l'échange qui sont là. Mais du coup, je vais te prendre la caméra. Vas-y, continue, excusez-moi. On est sur le coup. J'ai sursauté, j'ai fait. Voilà. Oh, c'est quoi ça? Vous avez eu quelques trucs? À la Spirit Box, oui, on a essayé de faire allumer la lumière et puis de jouer aux billes. Donc il d'accord. A mis deux billes là, puis une bille là-bas. Ah, d'accord, génial. Ah, ouais. Ben, je vous laisse faire. Ça fait peur à tout le monde. Ouais, c'est vrai, en plus, on a entendu un coup bam après les bruits de pain. Finalement, c'est quoi? Oui, mais c'était pas prévu, quoi. Que je revienne. Les enfants, est-ce que c'était votre chambre devant laquelle on se trouve? Essayez de nous rejoindre, s'il vous plaît. L'homme qui s'est donné la mort, je voudrais que tu viennes et que tu passes par la porte qui est devant. Si on vous dérange, n'hésitez pas à taper dans un mur, claquer une porte. Essayez de nous faire peur.
les escaliers ou en courant dans une autre pièce. On sait qu'ici, il y a eu un petit garçon. Est-ce que tu veux venir jouer avec moi ? Ou la maman, peut-être, qu'elle avait l'habitude de voir de ses enfants. Parce qu'on ne connaît pas son prénom, du coup. Donc la maman, peut-être voulez-vous rejoindre vos enfants dans leur chambre pour les border, leur raconter une histoire. On va se mettre dans le couteau dans la chambre. On va faire une séance sur ce box. Ouais. Parce que du coup, moi, je ne savais pas trop bien la régler, c'est peut-être aussi pour ça. Je vais laisser la caméra. Alors, on va passer la batterie du coup. Ouais. Ouais. On va d'abord faire un balayage extérieur. On va s'en faire un sans. On ne sait pas plus. Vous ne pouvez pas, c'est peut-être mon fil, des fois vous devez voir mon fil, les amis. Donc je vais l'enlever. Est-ce que le monsieur est avec nous? Est-ce que le fermier est avec nous? Quel était l'âge des enfants, s'il vous plaît? Par contre, c'est la bonne là, parce que c'est vrai qu'on est au secours d'un enfant, mais j'étais pas sûre, mais si, nous avons entendu. Et les enfants, c'est ça? Ouais, les enfants. Je fais appel à tous les esprits, bons ou mauvais, de venir nous rejoindre, s'il vous plaît. Manifestez-vous. Venez ouvrir le dialogue avec nous, s'il vous plaît. Y a-t-il quelque chose qui vous empêche de communiquer avec nous? Pourquoi vous êtes vous suicidé avec une pierre?
Vous vouliez vous faire souffrir ? Je m'adresse au fermier, pourquoi avez-vous tué votre femme et vos enfants ? Le bip qu'on entend, c'est les températures, hein, c'est ça ? C'est la température qui chute. C'est la température qui chute. Voilà. Ben non, il ne sait pas que souffrir avec Julien, en fait, il a égorgé ses enfants et poignardé sa femme. Et après, il a été un peu plus loin après la maison, il a rempli un sac de pierre et il s'est fracassé le crâne avec. Dans le champ en face. Dans le champ en face. Ouais. Dans une de mes enquêtes, il y a des esprits qui m'ont dit qu'il était coupable. Êtes-vous là ? Est-ce que l'on vous dérange ? Pourquoi on vous dérange ? De mauvais ici. Pourquoi voulez-vous qu'on arrête ? En fait, c'est une femme. Il y a une femme. En fait, ça revient à ce que nous, on a déjà eu. C'est la maman d'une femme. Et à chaque fois qu'il nous parle, il nous répond qu'il peut nous dire, en fait. Elle est positive, elle est négative. Est-ce que c'est le fermier qui empêche aux enfants de parler ? Merci de ta réponse. Peux-tu nous donner ton prénom, s'il te plaît ? Moi, c'est Anna, et toi, comment t'appelles-tu ? Peux-tu répéter, s'il te plaît ? Delphine, elle a entendu Pierre. Comment ? Ouais, Jean aussi, elle a entendu Pierre.
Est-ce que ton nom est Pierre? De la dame, s'il vous plaît, ou de votre épouse. La dame qui est décédée ici, pouvez-vous nous donner votre prénom, s'il vous plaît? Quel était le nom d'une des petites filles? Répondez, s'il vous plaît. Je m'adresse. Je m'adresse à l'homme qui est ici. Pourquoi as-tu assassiné tes enfants et ta femme? L'énergie de nos appareils pour communiquer. Est-ce que j'ai bien compris? Mais vous pouvez répéter, qu'est-ce qui a poussé le monsieur à vous tuer? Pourquoi avez-vous tué vos enfants et votre épouse? Apparemment, il y a quelqu'un, il avait marqué que vous êtes une personne de cette famille et que ça correspondait pas. Mais
ils savent pas les lieux déjà, comment est-ce qu'ils peuvent savoir, mais je ne sais pas. Oui. Ah, il y en a, je pense qu'ils m'ont trouvé, hein, les jeunes. Il n'est pas connu. Il n'est pas connu. Parce qu'ils ont ils mènent le nom de l'endroit à Tangy il y a peut-être 10 ans. Okay. Et en fait, il y a 3 personnes. Les filles, elles n'ont pas. Elles n'ont pas bougé. Elles n'ont pas bougé, elles sont du couloir. Ça, c'est tout de suite. Ouais. En fait, c'est pas grave. Je vais t'en faire un tuyau. Non, elle n'a pas bougé. Elle n'a pas bougé, elle n'a pas bougé. Tu as changé de pièce ou pas? Ouais, ouais, on a changé de pièce. Oh, ah, c'est bon, non? Non, t'as une lumière. Si, ah, non, ça, oui, c'est là, oui. Ouais, parce que t'as... Ouais, t'as pas fait le temps. Je vais te mettre avec la main. Oui, tu vas. Oh, le gamin, c'est le gamin, ça. Ouais. C'est une petite fille. C'est pourquoi il s'allume, là. C'est la lumière qui fait ça. C'est la lumière qui fait ça. D'accord. Donc, je vais faire... Je vais mettre par là. Quelle était cette pièce? Répondez s'il vous plaît. Je m'adresse à l'homme. Les enfants, ils ont été tués dans leur chambre, hein? Dans leur chambre. Oui. Est-ce qu'ils dormiraient? C'est vrai. Chambre, non? Oui. Il y a des murs. Tu sais que tout à l'heure, ça a dû en battre deux fois. Même ça a dû être dans le champ. Non, dans le champ. Dans le champ. D'accord. Est-ce qu'on est dans la chambre des enfants? Votre père est venu, c'était en journée ou dans la nuit? La nuit, la nuit. Merci. Et où est-il mort, votre papa? Papa
me l'avez dit tout à l'heure. Depuis combien de temps êtes-vous là? En plus, c'est quand je descends, tu sais. Ouais, c'est quand tu descends, parce qu'en fait, je disais, bah voilà, elle va faire la chose qui pille. Ouais. Et Ça va bien, quoi. Eh, il vient de dire bonjour. Bonjour. Oui, je vous écoute. Monsieur, qu'est-ce qui vous a poussé à appuyer toute votre famille? Vous sentez-vous coupable? Les enfants, voulez-vous qu'on vous aide?
fois. Les enfants, voulez-vous qu'on vous aide? Répétez votre réponse, s'il vous plaît. En fait, t'as plus de visite ou... Ouais, on a besoin. Quelle était cette pièce? Quand vous étiez ici?
enfants. On n'est plus en haut. Allez vers les billes. Faites-les tomber. Pouvez-vous dire j'y vais ou Anna? Est-ce que les enfants et la femme ont besoin d'aide? Je parle à l'homme. Est-ce que tu avais prémédité ton coup ?